Donc là je suis avec Diego, Mathieu et Pierre sont sur l'autre poste, donc dans l'Anse. Donc Diego lui pêche essentiellement le large en fait. Donc il a une canne, deux cannes qui sont au large sur une tache de gravier et une autre sur une tache de gravier. Et une canne en extrême bordure sur des arbres en fait qui sont au-dessus de l'eau. Donc tout ça avec les BFAE, Redfish et Fruity Cream avec des pop-up. Donc voilà. Il est installé, puis il n'y a plus qu'à. En espérant faire du fish. Voilà. Donc voilà, on est sur le deuxième poste de ce grand poste entre Diego et moi. Donc on est plus dans l'Anse en fait. Et Pierson, ils sont un peu plus par là-bas. Donc moi je pêche essentiellement les bordures. Donc déjà l'îlot là-bas, en face. Et ensuite j'ai une canne en extrême bordure entre des arbres qui surplombent l'eau et un début d'une autre anse avec des nénuphars. Donc voilà, et une autre canne qui est sur un haut fond d'1,50 m avec une tache de gravier. Tout ça avec les Fruity Cream et les Redfish, avec aussi des pop-up. Bon, en espérant que ça déroule aussi, on y croit, voilà. Donc voilà, donc ce qui concerne Pierre et moi, donc on a 4 cannes. Une canne placée dans l'anse juste derrière, des temps qui continue. Et donc nos 3 cannes, donc on a une canne de placée en bordure. Sur le spot, deux petites îles. Donc, Pierre, il en a une qui longe la deuxième île, tout au fond, en bordure avec la première île. Donc voilà, donc avec les appâts FAE, comme d'habitude. Donc on espère faire du poisson, puis on vous redit. T'as plus qu'à. Bon appart.
pris un super poisson à 4h du matin. Donc qui dépasse un peu les 9 kilos. Voilà, super poisson avec de belles écailles. Prise avec une fruity cream et une pop-up violette. Donc voilà, donc j'ai eu du mal à attendre. Alexandre qui était à l'autre poste l'a entendu. Moi j'étais en train de dormir. Il y a une fête à côté donc j'ai du mal à entendre, voilà, et puis voilà, ça fait plaisir. Un super poisson pris dans l'anse avec les nénuphars, avec une fruity cream et une pop-up violette, voilà, super poisson. On va essayer de la garder au matin. On va la mettre dans le sac de conservation pour faire de magnifiques photos. Puis. Ouais, on la met à l'eau. Voilà, super poisson. On va le mettre à l'eau. Et hop. Ils sont magnifiques. T'as quel choix, pas sous, sous. Commune, elle est belle. Jolie commune, bien joué, mec. Yes! Wow! Elle est belle. On va être un peu plus de 8 heures. Un super poisson de 8 kilos. Super belle commune. Prise encore la canne au niveau des nénuphars, passé dans l'anse. Voilà, super poisson. Prise avec une fruity cream et une pop-up rose. Prise par Pierre, voilà. Tombe record, 8 kilos. Magnifique poisson. Allez, on va la remettre à l'eau. Parti avec Diego à Lucan en stalking. Donc, par rapport à un peu plus loin dans une lance, on a aperçu quelques belles cartes tout à l'heure. Donc, on va essayer d'en sortir une. Puis on va en dire.
Un peu casse-gueule. Bêtisier. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va regarder un nouveau hand spinner. Donc aujourd'hui c'est la mode. Ah, la mode c'est chez nous. Bêtisier. Il est trop con. Hashtag bêtisier, hashtag bêtisier. Donc voilà, là, il... Quel poids à faire ? 8 kilos. Y'a rien ? Attends, il est phare. Si, elle est dedans. Vas-y, je peux la voir. Hop. Je te la sens, putain. Bonsoir, Mathieu. Papa. M'en vais. Ok. Si, si, nous. Ça entend pas les départs, mais ça se croit carpiste.